Bonjour tout le monde, c'est Kems, et oui, vous avez reconnu, nous sommes sur Minecraft. Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Kems, je ne sais plus où je suis, qui je suis. Et nous voici, non pas de retour, mais, enfin, pour moi personnellement, c'est un retour, car ça fait un moment que je joue à Minecraft, mais pour vous, ce sera une découverte avec moi. Donc voilà, écoutez les amis, ça faisait un moment que j'avais envie de jouer à d'autres jeux que uniquement Battlefield 5. Et j'ai pensé à divers jeux, mais finalement c'est sur Minecraft que je vais me lancer et honnêtement je ne saurais pas trop vous dire comment. Donc on va faire ça ensemble, c'est très simple. Là je vais lancer, donc on est sur un Minecraft classique, tout le monde peut l'avoir, Minecraft Java Edition, il n'y a pas de mode, il n'y a rien du tout. On va lancer un monde tout frais, tout neuf. On va aller en survival, bien entendu, comment on va appeler ça, la grande aventure de Kems. Est-ce que ça passe? On en a rien à foutre. Allez, on fait péter ça comme ça, la grande aventure de Kems. On verra où ça nous mène. Create New World, voilà. Donc, en exclusivité, voilà, c'est parti, on se lance sur Minecraft, les amis. Ouais, franchement, ça me fait vraiment très très plaisir, parce que pour moi, c'est un des jeux qui, véritablement, a révolutionné. Il fait partie de ce petit panel de jeux qui a révolutionné, pour moi, à mon sens, vraiment, le monde du jeu vidéo. Si vous êtes hermétique au principe, eh ben, j'espère que je pourrai un petit peu vous faire découvrir, pardon, la chose sous un nouvel angle. Voilà, franchement, si vous êtes hermétique, mais essayez honnêtement, parce que c'est vrai que de prime abord, quand on voit ce jeu, on peut penser que c'est un jeu pour les enfants uniquement, on peut penser que c'est un jeu un petit peu débile. Paf, mon premier bloc, un bloc de dirt, un bloc de terre, les amis. Et en fait, il faut vraiment passer cet a priori et vous verrez que ce jeu, il est formidable. Si vous aimez un petit peu les constructions ou quoi que ce soit, si petit, vous avez joué au Lego ou quoi que ce soit, vous verrez que rapidement, on peut tomber dans l'addiction de Minecraft. Donc voilà, véritablement, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. C'est pas un hasard, pour moi c'est un très très grand jeu, et c'est un jeu quand même qui est encore d'actualité, qui a un petit peu encore le vent en poupe, parce que je dois bien vous avouer que pour faire grimper la chaîne, et ben Battlefield, même si ça reste mon jeu de prédilection, tiens une abeille, ça c'est nouveau, c'est ma première abeille, bonjour, ça pique ou pas, je sais pas. Non, bah, je découvre avec vous, moi le but une sa fleur, c'est trop marclore. Voilà, bref, voilà, je vous disais Battlefield, c'est pas évident pour faire grimper la chaîne. Moi, j'aimerais bien faire grimper la chaîne, parce que c'est vrai qu'actuellement, je ne vous propose qu'une seule vidéo par semaine, et j'adorerais pouvoir augmenter ce rythme, sauf que honnêtement, eh ben, moi, je suis comme tout le monde, j'ai un travail à côté, et j'ai pas le temps. J'ai un travail, j'ai une vie, et j'ai pas le temps de faire plus qu'une vidéo par semaine. Donc peut-être qu'avec un jeu un petit peu plus mainstream comme Minecraft, peut-être que ça va attirer un nouveau public, un public plus dense, plus rapidement, et peut-être que ça me permettra de dégager un petit peu de sous-sous et de moins travailler à côté, voilà, tout simplement, hein, on va être honnête, je vais être honnête avec vous, c'est dans ma personnalité, l'honnêteté avant tout. Donc voilà, j'aurais bien voulu choisir d'autres jeux. Je peux vous dire lesquels, hein. Par exemple, j'ai beaucoup hésité avec Ark Survival Evolved, qui est pour moi un vrai jeu coup de cœur, honnêtement. Oh, des petites fleurs. Un jeu de survie, j'adore les jeux de survie. New Recipes, oh, un truc de recette. Tac. Ah, ça, je connaissais pas trop, vous voyez. Parce que moi, Minecraft, j'y joue depuis très très longtemps, mais je vais m'égarer de sujet, donc je vais essayer de rester sur un sujet. Voilà, Ark Survival Evolved, je vois que la nuit commence à tomber, donc je vais préparer le terrain, je vais prendre la dirt. La bonne vieille technique de la dirt pour éviter de se faire poutrer par les ennemis, paf! Ce sera ma première astuce, mon premier tuto. Si vous n'avez pas le temps de vous faire une maison, voilà, vous grimpez en hauteur comme ça, et vous serez protégé. Alors, par contre, il y a quand même des archers. Je vais revenir à Ark dans un instant, mais permettez-moi de me protéger pour passer la nuit sans mourir. Si on peut essayer de ne pas mourir du tout, ce serait pas mal. Hein? Pof. 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 Donc voilà, je prends suffisamment de dirt pour pouvoir me faire un petit fort en hauteur.
et me protéger des archers qui sinon pourraient me faire tomber de mon pylône cette nuit. Voilà. Hop, sneaky sneak, tac, 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 ploc, 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 ploc. Voilà, normalement, là, je suis complètement safe. On a un très beau panorama, on démarre dans une zone, alors ça, c'est genre un peu plus forêt, nanana, il y a plein de biomes différents. Et ça, c'est une zone plutôt classique, il me semble. Bref, voilà, Ark Survival Evolved, super jeu de survie, j'adore les jeux de survie, avec des dinosaures. Alors, je suis pas spécialement fan des dinosaures, mais honnêtement, très très honnêtement, ce jeu est tellement complet que moi, j'étais tombé amoureux. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu passé son... Il a fait son temps, et malheureusement, il a pas pu être très mainstream parce que il demandait beaucoup de ressources sur PC. Par exemple, moi, avec mon PC actuel, qui est loin d'être une bête de compétition, j'aurais du mal à vous proposer un jeu beau et à enregistrer en même temps tout ça, ce serait très compliqué. Je pourrais le faire quand même, mais voilà. Vu que le public est très restreint, malheureusement, un peu comme Battlefield, c'est pas ça qui ferait décoller la chaîne. Donc si vous voulez, si un jour la chaîne décolle grâce à Minecraft ou à autre chose, je ne sais pas, je pense que je reviendrai peut-être un Ark 2, si un jour ils en font un 2, ou tout autre jeu de survie qui se prêterait à l'aventure. En tout cas, moi qui aime les jeux de survie, Minecraft, c'est parfait. Ça reste une référence en la matière. Vraiment, vous allez voir que c'est génial. C'est vraiment... c'est un jeu qui est inépuisable. Donc, écoutez, finalement, la nuit ne tombe pas. Finalement, je trouve que j'ai assez parlé de Ark Survival Evolved. Je vais pas vous parler des autres jeux de survie maintenant. On va se lancer dans l'aventure, parce qu'on est là pour ça quand même. Alors je pense que pour m'éviter, pour essayer d'avoir un rythme en fait, si vous voulez, je vais être vraiment très très honnête, pour essayer d'avoir un rythme avec vous, d'essayer de garder un maximum de vidéos. Tiens, c'est beau par là-bas. Je vais commencer à explorer, puisque je suis là. J'aimerais bien vous proposer des gameplays bruts du décoffrage, avec pas de montage du tout. Pour moi, comme ça, ce serait un gain de temps énorme. Et déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer de base. Si en plus je dois faire du montage supplémentaire, j'en fais déjà pour Battlefield et tout. Je pense que j'ai envie de vous proposer quelque chose d'assez brut. Donc ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous. Je pense qu'on peut quand même bien s'amuser comme ça. On verra si on fait des sessions de 10 minutes, des sessions d'un quart d'heure, de 20 minutes. Tout ça, on va s'adapter. On va s'adapter au fur et à mesure. Petit canyon pas mal ici. On va s'adapter, on verra ce que ça donne. Je teste, j'expérimente avec vous. Je vais m'adapter aux commentaires. Je me doute bien qu'au début... Tiens, un dada. Ah, t'es beau, toi. Qu'il est beau. Bah oui. Toi, je vais faire de toi mon cheval. Je sais, je me rappelle plus des crafts, de comment on fait les choses. Tout ça, j'irai voir sur le wiki. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, j'ai laissé le jeu en anglais aussi. J'espère que ça vous perturbera pas. C'est génial. J'espère que ça vous perturbera pas. Au pire, c'est comme ça. Et puis, vous y faites. Non, c'est parce que moi, vraiment, j'ai démarré le jeu. Il n'y avait pas de traduction à l'époque. Donc, pour moi, la dirt, c'est de la dirt. Moi, je ne vais pas parler en français. Je vais parler en anglais pour les blocs. C'est une question d'habitude. Mon petit cochon, une petite pieuvre. Alors, pour démarrer, j'aimerais bien trouver un petit peu ma zone où je vais établir ma base. Ce serait un premier bon départ. Sachant que sur Minecraft, alors moi en fait, si vous voulez, j'ai joué à ce jeu de manière sporadique. Punaise, j'ai réussi à le dire directement. D'habitude, je dis pso, je bafouille. Ah, la petite fleur. Voilà, moi Minecraft, donc j'ai joué par période, quand il est sorti, bien entendu, quand c'était encore la bêta, tout ça. Et puis après, j'ai arrêté d'y jouer, j'y rejouais. À chaque fois par période, j'ai joué pas tout seul, avec ma femme en l'occurrence également. Et on s'est fait divers serveurs au fur et à mesure. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai tout ce qu'on a pu bâtir. On a joué autant en survival qu'en créa, en mode créa, même avec 2-3 modes ou quoi. On a créé des trucs assez dingues, assez sympathiques. Je vous montrerai tout ça un jour, je pense. Mais là, ce sera pas le sujet. Là, vraiment, on va essayer de démarrer sur
un bon survival à l'ancienne. Alors là, j'ai l'impression que je me suis bloqué au niveau de la vitesse, ou alors mon gars est épuisé. Je crois que mon gars est épuisé parce qu'il a plus que 3 de bouffe, donc il va falloir que je mange. Donc pour manger, malheureusement, c'est la dure loi de la nature, il va falloir que j'abatte des animaux, hein. Moi je suis pas spécialement vegan ou quoi, je compte pas me nourrir uniquement de fruits, en plus je sais pas bien s'il y en a dans le tas. Donc voilà, on va buter une vache, ce sera mon premier kill. Désolé ma petite vache, en plus je la bats à la main. Hop, voilà, ça me fait un steak. Et donc il va me falloir du bois, on va faire un feu, tout ça. Oui, oui, j'ai tué un de tes congénères, désolé. Alors comment ça marche? J'ai pas révisé, hein. Je suis désolé, j'ai pas révisé du tout. On fait ça tel quel. Ouais, vous voyez, ça c'est la table de craft, c'est la base de tout. Tac. Comment on fait du feu, les amis? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être avec des sticks ou un truc comme ça. Alors je vais peut-être m'autoriser d'aller voir ça vite fait. Ça, ce sera le seul truc où je ferai du montage. C'est. Ah, bah tenez, ça peut se bouffer, non? Tel quel. Voilà, voilà. Je vous disais, ce sera le seul truc de montage que je ferai à la limite, c'est d'enlever, quand je vais voir dans le Wikipédia, d'enlever ces petits passages-là, et puis c'est tout. Et sinon, ce sera vraiment brut de décoffrage. Hop, hop, voilà, ça me remet la bouffe à fond. Tiens, ça a bugué, c'est drôle ça. Le mec, il s'est tellement gavé. Hop, est-ce que je peux recourir? Hein, j'ai l'impression que tout est plus mou qu'au début. Non, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi qui suis à moitié fou. C'est possible. Voilà, la nuit tombe. La nuit tombe. La nuit tombe. On va refaire la technique du... Youhou ! La technique de la dirt. J'ai pas envie de mourir bêtement ici. Et ça fait un peu plus de 10 minutes que la vidéo a démarré. Donc, je vais pouvoir vous laisser là. Hein, on va démarrer sur quelque chose de pas trop long au début. Voilà les amis, la nuit tombe doucement. J'espère que cette aventure vous plaira. Regardez, le soleil se couche, c'est magnifique, c'est de toute beauté. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que ça attirera un nouveau public. Si vous êtes des joueurs Battlefield, franchement, faites l'effort. Si de base vous dites c'est un jeu de merde ou quoi, faites l'effort les amis, essayez Minecraft, demandez n'importe qui, vous avez bien quelqu'un autour de vous qui a le jeu, au pire il est pas très très cher. Je vous promets que ce jeu, c'est un bijou, c'est un vrai bijou. Visuellement au début on peut avoir des a priori, punaise mais c'est magnifique, mais je vous promets que... Ah, il y a de la fumée là-bas, il y a de la vie là-bas les amis. Eh ben, on fera ça dans le prochain épisode. On ira voir d'où vient la fumée. Il y a peut-être un village ou quelque chose. Waouh, il y a de la fumée là-bas, les amis. Bon, en attendant, allez télécharger Minecraft. Ou sinon, suivez-moi tout simplement. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, le petit like des familles. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait, si vous voulez suivre cette aventure. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour soit une vidéo Battlefield, soit le prochain épisode de Minecraft. Voilà, allez les amis, en attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros gros bisous. Allez, c'était Kems, ciao.